Nous sommes vendredi 20 mai 2022. Vous faites bien, mesdames, messieurs, de nous choisir pour vous informer à la une de ce journal. Pour la bonne marche de la 5e campagne nationale de distribution universelle des moustiquaires imprégnés, le ministère en charge de la Santé a organisé un plaidoyer auprès des gouverneurs des régions ce 19 mai 2022. Et compte tenu de la situation sécuritaire dans certaines zones du Burkina Faso, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a annoncé que des dispositifs seront mis en place afin de permettre aux différentes familles de cette localité de pouvoir bénéficier de cette campagne. Commémoration du 32e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Boukari Dabo. À cet effet, l'Union générale des étudiants du Burkina a tenu un meeting ce 19 mai 2022 à l'université Joseph Kizerbo. 32 ans après les événements, l'UGEB reste déterminée dans leur lutte afin que justice soit rendue et espère toujours que les assassins seront punis conformément à la loi. Bilan de l'attaque perpétrée la semaine dernière dans le nord du Togo. Une attaque qui s'est produite dans la nuit du 10 au 11 mai, plus précisément où 8 soldats togolais y ont perdu la vie et 13 autres ont été blessés selon le communiqué du gouvernement. Les précisions vous seront données en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, c'est toujours un honneur pour moi de vous informer. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Lors du dernier conseil des ministres tenu mercredi dernier, il en est ressorti qu'une délégation de la CDAO séjournait au Burkina Faso en vue d'évaluer la situation sociopolitique nationale dans le cadre de la gestion de la transition. Reçue par la ministre en charge des Affaires étrangères, les travaux se sont principalement axés sur la situation sécuritaire et le mandat de la transition. En ce qui concerne la situation sécuritaire, une visite a été faite aux déplacés internes de Kaya et de Balsalgo. Concernant le mandat de la transition contesté, la mission d'observation fera le point de la situation au chef d'État de la CDAO avant de se prononcer. Suivons cet extrait de la ministre en charge des Affaires étrangères au sortir de cette rencontre avec Alexis Belemnaba. Prenant bonne note du contenu du rapport des travaux des experts, ils ont noté une convergence de vues dans l'évaluation de la situation sécuritaire et humanitaire qui demeure toujours difficile. Les deux chefs de délégation adressent leurs félicitations aux experts pour la conduite du travail abattu. Les chefs de délégation notent que cette mission d'évaluation constitue une étape importante dans la poursuite des consultations entre le Burkina Faso et la CDAO et dans l'accompagnement du processus de transition au Burkina Faso. Son Excellence, M. Albert Kadapa, a indiqué que les conclusions de cette mission d'évaluation seront transmises à la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Les deux chefs de délégation ont réaffirmé la volonté d'œuvrer à la réussite du processus de transition politique au Burkina Faso. En marge de la deuxième session de formation initiée au profit de ses membres, le syndicat national des commerçants du Burkina a fait une déclaration ce jeudi 19 mai sur la situation nationale. Déclaration dans laquelle de manipulation des populations visant à détériorer le climat social et à mettre à mal l'économie du pays. A noter que le syndicat national des commerçants du Burkina réaffirme son soutien aux nouvelles autorités et appelle les populations à jouer leur partition dans la lutte contre le terrorisme. Maxime Jean-Eudes de Bambara pour le reportage. Alors que le climat social devient de plus en plus délétère avec la cherté des denrées de première nécessité et des grognes sociales annoncées pour la libération de l'ex-président Rochmar Christian Kabore, le Sinakombe, syndicat national des commerçants du Burkina, appelle les populations à se démarquer de toute manipulation visant à détériorer et à saper les acquis de la cohésion sociale et de l'économie. Il est du moins vraiment honteux, affreux et hideux que des hommes qui se disent intègres profitent de cette situation de crise pour élaborer des projets visant à faire sombrer les acquis de l'économie à travers la soif de manipulation du peuple. Nous disons non à l'incivisme, nous disons non à la manipulation, non à la haine du prochain, non aux mensonges, non à la division.
Pour Roch Nagalo et ses camarades, la situation sécuritaire est certes difficile, mais elle ne doit en aucun cas être un prétexte de détérioration du climat social. Pour le secrétaire général du Sénacombé, c'est le moment où tout le monde doit jouer sa partition dans la lutte contre le terrorisme. C'est aussi l'occasion pour nous de le solliciter que des mesures fortes soient prises pour restaurer l'intégrité territoriale, la quiétude des populations et l'autorité de l'État. Nul n'est au-dessus de la loi et tout acte d'incivisme ne doit rester impuni afin d'encourager ceux déjà engagés dans ces séries de formations en cours. Les MPCR n'ont pas droit à l'erreur, comme nous l'avons signifié dans notre première déclaration lors de la prise du pouvoir par les armes pour assurer la quiétude des populations. À travers cette déclaration, le syndicat national des commerçants du Burkina réaffirme donc son soutien aux nouvelles autorités. Déclaration faite à l'occasion de la deuxième session de formation initiée au profit de ses membres, dont l'objectif, à en croire le secrétaire général du Sénacombé, est de doter les militants de valeurs civiques et morales, gage d'une paix durable. Le saccage de la mine de Houndé par des orpailleurs est condamné par l'Organisation pour le renforcement des capacités de développement. Pour son directeur des programmes, Jonas Ian, le modèle de gouvernance du secteur minier au Burkina Faso dépouille les populations de leur principal outil de subsistance qui est la terre. Il faut donc, selon lui, repenser le modèle d'octroi des titres miniers afin d'éviter de tels actes dans les années à venir. Écoutons Jonas Ian à ce sujet avec Michael Tougré. Une société minière, une entreprise minière a la possibilité d'avoir des permis de recherche jusqu'à 7. C'est-à-dire, on peut leur octroyer jusqu'à 7 permis de recherche en dehors du permis d'exploitation. Et chaque permis de recherche couvre une superficie maximale de 250 km². Si vous avez, par exemple, les 7, ça veut dire que vous occupez pratiquement la superficie de toute la province. Si c'est une petite province, pratiquement tout. Donc, obligatoirement, les sites d'orpaillage vont se trouver sur les sites, sur les périmètres ou dans les périmètres de ces titres miniers. Je dis qu'il faut aller doucement pour qu'on prenne des bonnes mesures parce que ça doit nous interpeller dans le sens de la nécessité des réformes même de nos propres textes. On ne peut pas vouloir chercher l'argent au point de mettre, j'allais dire, les autres personnes pratiquement sur le chemin de la mort. Si vous n'avez plus de champs pour cultiver, vous n'avez plus d'autres activités de survie, on vient vous prendre ce que vous avez de plus cher. On vous donne quelques jetons qu'on appelle compensation, qui ne représentent absolument rien pour la suite de votre survie. Et on dit non, l'autre a l'autorisation, donc a le droit de vous chasser. Non, je dis non. Je dis non, il faut qu'on recadre tout ça pour voir comment on prend en compte les communautés qui sont à côté. Comment ces communautés-là doivent continuer à vivre. Et on fait en sorte qu'il y ait une certaine justice dans l'octroi des titres miniers pour que chacun y gagne ce qu'il doit gagner. Sinon, on ne peut pas favoriser une partie au détriment de sa propre population. Le 19 mai 2022, une date marquant le 32e anniversaire de l'assassinat de l'étudiant Boukari Dabo. À cet effet, cette journée a été décrétée par l'Union générale des étudiants du Burkina comme la journée de l'étudiant burkinabé et qui était marquée par un meeting tenu à l'université Joseph Kizerbo sur le terrain Dabo Boukari. Occasion pour les étudiants de rendre hommage à leurs camarades assassinés et ainsi réaffirmer leur engagement à continuer la lutte pour la manifestation de la vérité sur l'assassinat de Boukari Dabo en mai 1999. Abdoul Rey Mienye pour le reportage. C'est un meeting d'hommage à Boukari Dabo, étudiant en 7e année de médecine, assassiné en 1990. Une journée organisée par ses camarades de lutte de l'UGEB, Union générale des étudiants burkinabés.
Il est présenté comme le symbole de la résistance estudiantine au cours de ce meeting. 32 ans après sa disparition, l'organisation estudiantine se souvient toujours de lui. Le président de l'UGEB, Fousséni Sourabié, dans son discours, revient sur les circonstances de la mort de leur camarade de lutte, Boukari Dabo, il y a 32 ans. C'est dans un contexte où les autorités avaient adopté les programmes d'ajustement structurel qui ont instruit à nos États de se désengager des secteurs sociaux de base tels que l'éducation, la santé, l'emploi des jeunes et bien sûr l'enseignement supérieur. Et c'est ce qui a conduit effectivement à la remise en cause de certains acquis des étudiants. Et les étudiants vont effectivement pour riposter face à cette remise en cause-là, organiser des manifestations. Et les autorités de l'époque, au lieu d'apporter des solutions aux préoccupations que les étudiants ont posées, vont procéder à la répression. À partir du 16 mai, Salif Diallo va arriver sur le campus accompagné des militaires du Centre national d'entraînement commando qui était par la suite le RSP, qui est devenu par la suite le RSP. Et ces militaires vont apporter une répression barbare sur les étudiants. Et cette répression sera soldée effectivement par l'enlèvement de notre camarade Abou Boukari, qui sera torturé à mort au niveau du Conseil de l'Entente. 32 ans après les événements, l'UGEB reste déterminé pour que justice soit rendue. Même si le dossier en justice n'avance pas comme ils le veulent, ces étudiants disent rester mobilisés et gardent l'espoir que les assassins de Dabo seront punis conformément à la loi. Il y a eu, à un moment donné, l'indication d'une présumée tombe en 2017. Et ensuite, il y a eu l'inculpation de Bamba Mamadou, également de Gilbert Dienyere et aussi d'un soldat, notamment Victor Magula Yougoubaré. Et actuellement, il est vrai que depuis juillet 2020, le dossier a été renvoyé en instruction. Mais nous avons toujours foi et nous estimons que déjà les inculpations donnent espoir effectivement que si nous poursuivons la lutte, il y aura la lumière sur l'assassinat de notre camarade. Le meeting de ce 19 mai a permis aux responsables des organisations estudiantines de revenir sur les conditions d'études et de vie des étudiants burkinabés. Des conditions jugées précaires par le président de l'UGEB. Nous avons fait cas de la question de l'application du nouveau régime général des études qui a davantage durci les conditions de passage et qui a conduit à l'exclusion de beaucoup d'étudiants dans les centres universitaires et dans les universités publiques, mais aussi le retard académique qui va de quelques mois à 3 ou 4 ans dans certaines universités. Il y a également les problèmes d'infrastructure qui se posent et nous avons pris l'exemple effectivement au niveau de l'université Nazim Boni par exemple, où il y a plus de 12 sites sur lesquels les étudiants prennent cours. Donc du coup, ça pose également le problème de transport pour ces derniers-là. Et au plan des libertés, on a assisté à l'exclusion de nos camarades de Bobo et suite à une manifestation que les étudiants avaient organisée, et sans tenir compte effectivement des règles en la matière. Face à cette situation, l'UGEB invite tous ses militants ainsi que tous les étudiants à rester mobilisés et engagés à poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie et d'études des étudiants au Burkina Faso. Et puis toujours à ce sujet, le président de l'Union générale des étudiants burkinabés, à l'occasion de la commémoration du 32e anniversaire de l'assassinat de Boukari Dabo, s'est prononcé sur l'incident de Kudougou survenu le 17 mai dernier suite à des bousculades au restaurant universitaire de Kudougou où un étudiant y a perdu la vie. Pour le président de l'UGEB, cette situation est due aux mauvaises conditions de vie des étudiants. Il tient pour seul responsable les autorités universitaires. Fousséni Sourabié, au micro de Abdul Rahim Nyinye. Et il s'agit au niveau du restaurant universitaire où les étudiants étaient naturellement en file et dans l'espoir d'avoir un plat. Et c'est effectivement dans les files qu'il y a eu une bousculade et un étudiant qui a été étouffé, il est tombé. Malheureusement, lorsque les secouristes sont arrivés, ils sont venus trouver que c'était déjà trop tard. Et c'est de là effectivement que l'étudiant est décédé. Et nous disons effectivement que cela est lié aux mauvaises conditions de vie. Ou du moins des mauvaises conditions de restauration. Parce que nous avons cessé depuis longtemps d'interpeller les autorités sur la clochardisation des étudiants. Vous imaginez un seul instant qu'un étudiant soit obligé d'aller s'aligner au restaurant universitaire à 22h pour attendre l'ouverture du restaurant à 11h30 et avoir l'espoir d'avoir un plat de piètre qualité. Donc ça montre le degré de clochardisation des étudiants. Et pour nous déjà, ce que nous pouvons dire, c'est que c'est les autorités qui ont travaillé effectivement à réunir ces conditions. Et c'est elles qui sont responsables de cette situation qui arrive au niveau du restaurant universitaire. Parce que si on n'avait pas clochardisé les étudiants, on ne serait pas dans cette situation.
Je vous le disais en titre, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique ainsi que ses partenaires techniques et financiers organisent la 5e campagne nationale de distribution universelle des moustiquaires imprégnés à longue durée d'action. Et pour la réussite de la dite campagne, un plaidoyer a été fait auprès des gouverneurs des régions ce jeudi 19 mai 2022. Et selon le ministre de la Santé, cette campagne va connaître plusieurs innovations. Il s'agit notamment de la distribution de nouvelles moustiquaires imprégnées, dites moustiquaires de nouvelle génération, ainsi que la digitalisation de la campagne dans 5 régions, à savoir le centre, le centre-ouest, le centre-sud, les hauts bassins et le plateau central. Mamie Driana Kamabou nous en dit plus. Le paludisme demeure un problème majeur de santé publique au Burkina Faso. Les données statistiques montrent qu'au cours de l'année 2021, les formations sanitaires ont enregistré plus de 12 millions de cas avec une incidence de 569 cas pour 1000 habitants. Face à cette situation et en vue d'inverser la tendance, une campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action sera menée. Et pour la bonne réussite de cette campagne, le ministère en charge de la Santé a fait un plaidoyer auprès des gouverneurs des régions. Le gouverneur de région est le personnage central, est le dépositaire de l'action gouvernementale au niveau région. C'est pour cela que nous avons tenu à organiser cette réunion, cette rencontre de plaidoyer ce matin à leur endroit pour continuer à les investir de tous les pouvoirs qui sont les leurs afin qu'ils puissent coordonner l'organisation de la distribution sur leurs ressorts respectifs. Cette nouvelle campagne nationale de distribution universelle de moustiquaires imprégnés à longue durée d'action va connaître plusieurs innovations. Il s'agit de la distribution de nouvelles moustiquaires imprégnées, dites moustiquaires de nouvelle génération, à l'échelle du pays, au regard du phénomène croissant de la résistance des moustiques aux insecticides. La deuxième est relative à la digitalisation de la campagne dans 5 régions, à savoir le centre-ouest, le centre-sud, les hauts bassins et le plateau central. La mise en œuvre de cette 5e campagne intervient au moment où le Burkina Faso connaît des situations sécuritaires précaires dans certaines zones. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a laissé entendre que les dispositions sont en train d'être mises en place afin de permettre aux ménages de ces localités de bénéficier de cette campagne. Nous sommes en train d'apprendre des leçons d'autres pays, nous sommes en train de contextualiser, nous travaillerons avec les humanitaires, nous travaillerons avec l'ensemble des structures de terrain pour que la distribution se fasse sur l'ensemble du pays et de façon équitable. 16 millions de moustiquaires imprégnés seront donc distribués au cours de cette campagne et ce sur l'ensemble du territoire national. En rappel, le Burkina Faso fait partie des 11 pays les plus touchés dans le monde. Hier, pour une période de 48 heures, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales célèbre ses 20 années d'existence sous le thème CAPES, 20 ans dans l'appui à l'élaboration et à l'orientation des politiques publiques de développement, prospective et stratégie. Un jubilé qui a été présidé ce jeudi 19 mai 2022 par le Premier ministre et qui sera marqué par la tenue de plusieurs panels. Reportage Serge Kabouré. Porté sur les fonds baptismaux en 2000 avec pour objectif de pallier les faibles capacités en termes d'analyse nécessaires à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation des politiques de développement du Burkina Faso, le Centre d'analyse des politiques économiques et sociales CAPES a célébré ce 19 mai ses 20 années d'existence. Pour le chef du gouvernement Albert Ouédraogo, qui a présidé la cérémonie d'ouverture, le CAPES s'est aujourd'hui positionné comme une structure de référence et d'excellence au sein des institutions nationales. Les progrès accomplis par le CAPES ne doivent cependant pas être pour lui une autosatisfaction, mais constituer plutôt une invitation à redoubler davantage d'efforts et un engagement à être à la hauteur des défis contemporains.
Je note avec satisfaction que le CAPES tient son rang d'institution à l'avant-garde de l'analyse des politiques économiques et sociales du Burkina Faso. J'ai foi que ce centre saura toujours bien prendre en compte les problématiques qui s'opposent à notre société aujourd'hui et pour les 20 prochaines années. Le CAPES, 20 ans dans l'appui à l'élaboration et à l'orientation des politiques publiques de développement, prospectives et stratégies, c'est sous ce thème qu'a été célébré ce 20e anniversaire et qui sera ponctué par différentes communications. La thématique de nos retrouvailles comprend le bilan des 20 ans du CAPES, mais aussi et surtout les perspectives pour mieux asseoir le CAPES dans notre pays qui commande la prise d'action forte pour sa viabilité et sa pérennité. Durant 48 heures, 10 000 chercheurs et spécialistes dans leurs domaines respectifs livreront des communications qui contribueront davantage à bien dessiner le rôle et la place du CAPES dans notre pays. Et pour marquer ce jubilé, le premier président du CAPES, Justin Ouédraogo, a parrainé ce 20e anniversaire du Centre d'analyse des politiques économiques et sociales. Il est opportun et pertinent que les administrateurs du CAPES marquent un arrêt pour jeter un regard rétrospectif, mais aussi prospectif, en se posant les questions nécessaires sur l'avenir de l'institution. Plus de 200 personnalités composées d'acteurs politiques, économiques, de la société civile et d'étudiants sont attendues pour ce 20e anniversaire qui se tiendra durant 48 heures et qui sera marqué par plusieurs colloques. En marge de cette célébration, des distinctions ont par ailleurs été remises aux personnes qui se sont illustrées pour la réussite des missions assignées au CAPES durant ces 20 ans. Hors de chez nous, parlons à présent du bilan de l'attaque perpétrée la semaine dernière dans le nord du Togo. Une quinzaine d'assaillants ont été tués par des militaires togolais, a annoncé mercredi soir le gouvernement. Pour rappel, dans la nuit du 10 au 11 mai, une soixantaine d'hommes armés circulant à moto avaient attaqué un poste militaire à Pikpakati dans le nord du Togo, proche de la frontière avec le Burkina Faso, tuant ainsi 8 soldats et en blessant 13 autres. Suivons donc ce reportage. Une quinzaine d'assaillants ont été tués par des militaires la semaine dernière au nord du Togo, a annoncé le gouvernement mercredi dans la soirée. Dans la nuit du 10 au 11 mai, environ 60 hommes à moto ont attaqué un poste militaire à Kpinkankandi, vers la frontière avec le Burkina Faso, tuant 8 soldats et en blessant 13 autres. Le ministre de la Sécurité, le général Damea Miark, a expliqué à la télévision nationale que les assaillants avaient transporté rapidement les corps de l'autre côté de la frontière où ils ont été inhumés, sans donner plus de détails. Selon les autorités, il s'agit du premier assaut terroriste meurtrier au Togo, dont l'armée est présente au nord du pays pour parer la menace de groupes djihadistes implantés au Burkina Faso. Une seule attaque avait jusqu'alors été enregistrée en novembre 2021. De récents commandos frontaliers dans les pays du sud du Sahel ont confirmé les craintes que les groupes armés de la zone souhaitent se diriger vers la côte. Pour un pays comme le Togo, la menace est réelle et la pression est... Voilà, je vous quitte sur cette belle citation de Napoléon Hill qui dit « Le point de départ de toute réalisation est le désir. Gardez toujours cela à l'esprit. Un désir faible donne de maigres résultats, tout comme un feu chancelant réchauffe peu. » Ici s'achève ce journal. Merci de votre constante fidélité à l'ensemble de nos programmes. Je vous donne donc rendez-vous demain, même heure, même canal, pour de nouvelles informations.